La vigilance est de mise dans 72 départements. Météo France les a placés en vigilance orange, inondation, et vigilance jaune, forte pluie, inondation, vent fort. Consultez le détail des vigilances avec notre carte en temps réel. Ce matin, sera marqué par des nuages qui devraient apparaître sur l'est, sur le sud-est et sur l'extrême nord-est. Des fortes pluies seront au rendez-vous sur l'extrême nord-ouest. Dans le Cantal, en Haute-Vienne, dans la Loire et à Paris, le temps sera couvert avec de fortes averses. Un vent de sud-est, enregistrant 37 km/h, soufflera sur le nord. Il fera 7 degrés Celsius à Lille, 8 degrés Celsius du côté de Nantes, 6 degrés Celsius à Metz et 15 degrés Celsius à Perpignan. La maximale sera de 20 degrés Celsius à Poggio Mezzana. Dans l'après-midi, le ciel de l'extrême sud-est, du pourtour méditerranéen, de la côte basque et de l'extrême sud-ouest verra apparaître une perturbation nuageuse cet après-midi. La Corrèze, la Mayenne, la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, la Seine-Saint-Denis, le territoire de Belfort, le Val-de-Marne et Paris seront affectés par des fortes pluies. La température affiche une hausse par rapport au jour précédent. On prévoit 10 degrés Celsius à Amiens, 12 degrés Celsius à Rennes et Troyes, 9 degrés Celsius à Strasbourg et on atteindra 21 degrés Celsius à Pamiers. Le soir, des fortes pluies sont attendues sur l'extrême nord-est, sur les Vosges et dans la plaine d'Alsace. Des nuages seront présents sur les Alpes et sur l'extrême sud-ouest. Prévoyez 7 degrés Celsius à Amiens, 9 degrés Celsius à Cherbourg-Cotentin ainsi qu'à Strasbourg, 5 degrés Celsius à Metz, 11 degrés Celsius du côté de Montpellier mais aussi vers Bourges, 8 degrés Celsius à Tours et la maximale sera de 20 degrés Celsius à Perpignan. Cette nuit entre jeudi et vendredi, le temps de la nuit sera nuageux.